Monsieur Hervé Foucan sera bientôt coupé. Vous comprenez pour moi, ça dit, est-ce que le mandat a été exécuté parce que c'était un mandat? Hervé Foucan, pas bien sortir de la rue pour les yeux. Depuis que l'industrie a commencé dans le gros business, les États-Unis d'Amérique, par le biais de la DEA, se mettent les gens dans toute activité que j'ai mené. Sois-y là. Nous connaissons, selon les dernières informations, tout comme monsieur a batté, où est-ce qu'on batté? Hervé Foucan, oui. Hervé Foucan, monsieur batté, les Américains, la DEA, qui est toute preuve, selon toutes dernières informations que j'ai mené, okay. De monsieur Hervé Foucan, qui sera bientôt sous les verrous. Et la justice nous a déjà demandé à l'État haïtien pour mettre monsieur à la disposition de la justice américaine pour ce guerre pile droit qui traversait de la Colombie par le biais d'Haïti et transité par Haïti et spécialement Bilokai pour aller aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Hervé Foucan, t'as gagné madame, t'as un petit ménage lui-même, madame Larco, madame Sylvanie Larco. Il y a déjà une décision contre lui. Sortez-moi là. Ah, vous connaissez, vous ne pouvez pas encore une fois, vous connaissez. Comment mettre là, dans le moment où on a là, quand vous traversez bien, quand vous faites prêt, non, quand vous traversez bien, vous gagnez tout l'autre nom, gagnez un quelque chose qui est là pour m'allonger le monde parce que je dis que, pas du tout, à vous seul, mais du coup, le monde qui t'a impliqué directement, mais le monde qui t'a impliqué indirectement. Par exemple, le cas d'Ancien de Monde qui a déplacé et qui a pris action dans le business qui a gagné, gagné décision que les États-Unis et le Canada ont pris là pour capable de clouer les gens qui, selon eux-mêmes, ont impliqué dans le blanchiment l'argent. Il y a des notaires dans le pays d'Haïti. Et même qu'il y a des avocats, qu'il y a même des gens qui n'ont pas de business qui acceptent pour blanchir l'argent de Moussaïo, nous connaissons, maman petit point Mario, à partir du mois de Capine là, nous prenons compte. Nous t'as dit ça, oui, dans ma tête, nous t'as dit que moi je viens pas le très difficile. Eh bien, nous connaissons, ma maman aussi, c'est la dernière information qui est là, c'est que j'ai un pile bien nègre, comment c'est saisi là, et j'ai un petit des nègres, qui ont épinglé dans le dossier l'affaire Douane, l'affaire Blanchiment l'argent. Ici, pour ces domaines, Canada, États-Unis, ils ont commencé à saisir bien mon salon, et même si tu n'as pas à l'école, ok, si tu n'as pas à l'école, et parce qu'il y a une décision, il y a une enquête pour qu'on ait exactement, bien que vous gagnez sur nos lignes. Donc ce débat avec un rage, en fait, là, je ne vais pas vous connaître, M. Hervé Foucan et M. Ronnie Célestin, deux M. Sayo, yo déjà dans ligne pour capable aller joindre DEA parce que selon dernière information yo DEA a contrôlé M. Sayo depuis combien de temps sans le patron yo aussi la DEA t'es infiltré position t'es infiltré espace domitaire tout calte bagage de domaine toute transaction le coup de dire la DEA j'ai toute information pendant ma parabole là. Ma parole, si nous connaissons, et qui a pu nous poser des questions, est-ce que c'est une diversion, monsieur Rusmo, après? Parce que, selon des informations, ça semblait que ça, monsieur Hervé Foucan, qui t'a proposé, monsieur, pour devenir comme commissaire du gouvernement. Alors, des gens qui ont posé des questions pour dire, est-ce que c'est la diversion, monsieur Rusmo, après, sous ma invitation que tu as lancée à monsieur Foucan. Mais, un fait clair, c'est que, et dossier qu'a loué déjà l'État haïtien est pour capable d'effectuer le plus vite possible M. Hervé Foucan et Ronnie Célestin dans quatre dossiers qui sont en classique board. Alors, faut nous dire que nous connaissons, et ce n'est pas fini pour certaines personnes qui ont même gagné une noyosité dans quatre dossiers et blanchiment l'argent dans le pays d'Haïti. Dans le moment où on a parlé là, c'est que le groupe Bitio a une grosse difficulté. Il y a une grosse difficulté parce que M. Bitio a effectué la question de blanchiment d'argent.
notre question et trafic d'armes, ah bon? Notre question et financement grand. Donc ça veut dire que M. Bidjo, nous connaissons, c'est un monde qui qu'on habite comme des gaz pour les cours pour le pays d'Haïti. D'ailleurs, il y a un peu de business gaz à travers le monde. Ok. En ce qui a mené là, pour voir comment est capable, mais de semaine et ça met contre en bloc M. Bidjo. Donc ça veut dire que vous voulez dire. Et les Américains et les Canadiens, selon les informations de Mila, ils ont joué à Gosseta et ça a son manque à gagner le poids ici pour aller à la gouvernement haïtien, tu as supposé étudier une possibilité pour capable voir comment le groupe Bidjo, qui a même, alors Bidjo lui-même qui commande gaz pour l'État haïtien, pour le compte de l'État haïtien, parce que c'est plusieurs groupes, c'est plusieurs groupes. Donc, et tout total, tout et total, il y a une grande difficulté pour être capable d'alimenter le marché. Dans le moment où on a parlé là. Donc ça veut dire que l'État est là, on situe à son objet là, et même pas à partir de la situation partout, pour l'autre situation, c'est des compagnies qui vont obliger à demander pour que pour que consommateurs, alors on dit monde qui a commandé gaz dans la compagnie, pour commander gaz en dollars US. Donc l'État est là. Selon moi, je dis, monsieur dans l'État, qui dans le niveau gouvernement, prend une position pour que monsieur prenne une position pour respecter les projets techniques de l'État, pour question que tout commerce qu'a fait en Haïti, tout achat qu'a fait en Haïti, toute transaction qu'a fait en Haïti, c'est en route pour le faire. Donc, ça veut dire que, bon, pour tout ce que là, entre les compagnies pétrolières, pour vous dire dernièrement là, avec les membres du gouvernement et qui eux-mêmes prennent pour une situation de plaisir. Est-ce que M. Pécoléo va financer une deuxième round de Calais-Bois, de Bois-Calais? Okay. Et parce que le bilan, ça, et tous ces éléments, il y a des problèmes, il y a même des bagages, c'est financer la RIA. Mais tout, c'est des conséquences. Donc, les boulets ont entré dans la RIA, financer la RIA, parce que l'État a pris disposition. Ou pas une loi à faire des actions en dollars. Donc, ce qui s'est passé, donc c'est le peuple qui a payé, mais en fait, c'est que l'État ici a de prendre disposition pour capable de faire monsieur respecter la question des transactions en cours en Haïti. Bon, en tout cas, vous pouvez dire, question d'eau, transaction en dollars, ce n'est pas courir à l'information. Même derrière, vous avez acheté dans le magasin. C'est un dollar, il y aura plus de moi. Un dollar, oui. Un dollar, et de fait, c'est un dollar. Ok. Parce que vous avez deux barrières. Donc ça veut dire que, il y a un manque de projet, l'État haïtien, au niveau du ministère commerce et ministère finance, mais il y a un manque de projet sous disposition de l'État. Ok. Et on se rappelle, pour que les transactions soient en boule, en Haïti, parce que nous pas travailler en dollars, c'est un groupe de travail. Nous pas fonctionner en dollars, c'est un groupe de travail. Donc ça, et surtout dollars, c'est difficile. D'ailleurs, on se prend 10 dollars, on se prend 50 dollars en banque, ou bien 1000 dollars américains, ou bien 2000 dollars américains, il y a tout le monde qui va avoir. Donc ça, c'est une grosse situation. Et la pose de question, est-ce que nous allons déboucher à un éclatement? Parce que là, au cap dernièrement, là, comme on dit une des époques, il manque un petit peu de l'opération, parce que c'est le gélageur pour la transaction bien entendu en dollars. Okay. Donc c'est pour cette situation, vous pouvez dire, voilà, tellement grave, là il y a enragé, faut nous dire que, et pour la nouvelle, pas encore comment ça va faire, mais un peu clair, c'est qu'il va y avoir vraiment difficile. Alors pour la route, et pour la route numéro 2, et en passant par Max, faut nous dire que monsieur et pas Dio, Dio Mexique, nous connaissons, il a fait un nettoyage, et n'a demandé pour que TPTC. CNE capable au moins, parce que monsieur, comment c'est l'ouvrir espace route qui fait attendre. Ok. Dernièrement, la seconde bloc qui s'est réagi, qui donc il y a un second bloc qui s'est réagi, tout le matin. Donc, selon ça, nous remarquons, pour nous dire que y a une volonté pour côté n'est qu'à Tamio, parce que si nous regardons le tribunal pour l'État absent, totalement absent sur la route. Il va voler encore. Et bon, selon toute sa ligne comme information, c'est que M. Yo, pour calma, éteindre sous Zamio, et Yo Antonio, jusqu'à présent, on a parlé là, pour calme apparent, pour passer par ma pour tomber le clair, pour tomber pour Samara, et M. Yo parcourir le monde, selon toutes les informations que nous avons. Et l'autre bagarre, pour que nous connaissions, et
pendant machine publique passe pour ce mandat, moto se passe pour le grand acte, et ça, c'est qu'on fait, parce que monsieur, c'est qu'on a pour le monde. Donc, pour l'année, on a parlé là, c'est que le transport public, là, en liberté, fait sans problème, sauf si pour aller pour aller dans le grand sud, c'est sans problème, selon toute dernière information. Mais tout problème qui est posé, c'est que, avec grand acte, et où on est déjà dépoussé, par rapport avec les pages de l'étoile, mais là, on a un monsieur qui a commencé à mettre cet ensemble pour nettoyer le contenu.